tout à l'heure. Non, mais ce serait super de faire vivre ceci, comme vous le faites, comme tous ceux qui ont été bénévoles dans l'organisation ont fait ceci quelque chose, et vont continuer à faire tout cet après-midi. Donc c'est juste ça, nous. Voilà, donc Fouki vient de libérer le petit groupe de Benjamin avec un départ en fanfare de Rémi Pinson, le pouvoir sorti, un garçon qui a, comme d'habitude, il va bien se relancer en Fouki, même si ce sont de petites jeunes pousses, il va pouvoir remarquer que le rendu bien faire, elle est proportionnelle à celle des seniors. Voilà, gestion bien sûr des parties un peu plus techniques. N'oublions pas qu'on est avec des enfants qui découvrent la compétition. On ne veut pas qu'ils se prennent excessivement la tête. Ils auront bien le temps, s'ils ont un avenir à imaginer dans le cyclisme. Il est en train de le faire, le premier passage avec Manu qui se lance à la poursuite de Rémi. Là, il entre dans le hall avec Abelia Sénécaille, la cyclisienne qui va essayer de se mettre en contact. Derrière, c'est un peu plus disparate avec Noémie Guérison, avec également Fille. Salut mec, attention à toi, hein. Là, je vais pas te rater. Hein. Dans le cyclocross, effectivement, le palpitant quand même, il en prend un coup. Là, il clignote aux autres voies. Top, il se met à clignoter. Voilà. Allez, il part pour l'arrivée. Le dernier tour pour Marius Co. Le dernier tour pour tous ceux qui vont l'arriver. Voilà, Julien, ça va être son arrivée. Et juste derrière, eh bien, je vous demande, dans quelques instants, d'accueillir
applaudir Marius Co comme il le mérite. Marius Co, le Liévinois, qui va s'imposer sur cette épreuve d'ouverture. C'est bon, Julien. Allez, voilà le vainqueur, Marius Co. Voilà, très très belle victoire. L'arrivée de Rémi Pinchon qui va prendre la deuxième place. Voilà, il a retrouvé un bon coup de pédale. Super, bravo Rémi. C'est l'arrivée Gaëtan. Voilà, c'est l'arrivée Nounou. Les pupilles, vous vous placerez. Sitôt l'arrivée d'Abelia. Voilà, la fournisienne dans les derniers mètres. T'as couru le Grand Prix Fourmi? Est-ce que tu as eu cette occasion plusieurs fois? D'accord, t'as terminé sur le Grand Prix Fourmi. Mais putain, c'est juste après. Voilà, je vais repasser le micro à Céline. Et puis, lancement de la deuxième épreuve pour 8 minutes. 5, 4, 3, 2, Mathéo Colsenet, Clément Leblat, Anaïs Breban et Rémi Vance ou Verse. Je suis désolé, je n'arrive pas bien à lire. Voilà, donc nos petits jeunes qui sont déjà en train de s'employer, passage en 1 minute. Une minute. Voilà, emmené justement par Mathéo Colsenet, avec un petit groupe qui s'étale déjà, qui s'étire. Voilà, là, le choix des vélos chez les jeunes, c'est autorisé, hein, bien sûr, choix du VTT ou du cyclocross. L'image la plus spectaculaire que tu retiens, toi, de ta carrière dans les 200 secondes que tu as pas, c'est la vitesse quand même, hein, c'est impressionnant. Voilà, allez, ça passe. Donc on est un garçon qui est en train de sortir du groupe. C'est le jeune Fournisien qui vient d'accélérer. C'est Victorien Blancpain. Derrière, un quatuor qui va essayer de faire la jonction. Alors que Timothée Lalleux et Florent Poulain vont essayer eux aussi de rejoindre ce petit groupe. Voilà, ça s'est déjà maintenant bien étiré. Allez, ça passe encore avec Rémi. Et ça arrive, là, voilà, ils étaient 13 au départ. On n'est pas encore à mi-course. 3 minutes d'épreuve. Le passage avec des jeunes qui vraiment donnent le meilleur d'eux-mêmes, avec Anaïs notamment, avec Maxence Coquedet, le passage de la petite Capucine. Allez Capucine, allez, on est bientôt à mi-course. On attend le leader. Alors le leader, tu vois, il est là-bas, Cyril. Un plus jeune Fourmilien, parce que Fourmilien possède une extraordinaire. Et ben voilà, ça va peut-être remettre tout en cause. Victorien vient d'avoir un petit souci dans le désert. Et du coup, eh bien, c'est Clément Leblat qui est revenu sur lui. Clément Leblat, le deuxième Fourmilien. Et le coureur passe à mi-course. Combien ont-ils fait de tours? Et ça va être troisième. Donc il reste 3 tours, les enfants. 3 tours, il reste. Allez, avec Clément qui a presque rejoint Victorien. Allez, derrière, c'est un grand champion. Vous faites pas encore tout le monde. Allez, allez. Trop vite! Là, c'est pas de ma faute, hein! Allez, descends! Ça va, tu vas être chaud? Là, tu peux nous scorpions à l'intérieur. Allez!
On est tout ça à l'instant avant de pouvoir valider. Quand ils sont passés à deux tours, hein. Deux tours, il reste à parcourir. Toujours nos deux fournisseurs en avant-poste. Victorien Blanca au Clément Leblanc. Vas-y, maintenant, plonge. Allez, allez, dépêche, allez. Alors que Victorien part pour l'arrivée. Dernier tour, Victorien vient proposer l'écart. Eh bien, tu vois, Sylvie, hein, il a eu son petit souci dans le verre. Mais a priori, il était un gros déchet. Mais on est dans le final. Il restera une épreuve jeune. Ce sont les puissants. Mais là, il a fait que ça, il se mousse. Alors, je suis puissant. Du coup, il y a celui qui a juste un bon. En tout cas, c'est une image. Hein. Ouais. Voilà. Donc, Maxence Pocodet va partir pour le dernier tour. Alors que Victorien est dans le final. Victorien qui va s'imposer sur cette épreuve. Dernier tour, hein, dernier tour. Voilà. Victorien qui a jeté un coup d'œil. On aura bien un podium fourmisien. Dernier tour, dernier tour. Dernier tour, c'est pas Capucine, puisqu'il est bêtise, c'est Axel, et l'arrivée. Voilà, quelle belle maîtrise, hein. Oh là 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 là. Allez, sprint pour la deuxième place. Firmin et Clément, et ce sera Firmin. Voilà, c'est bon retour de Firmin. Bon, ils ont déjà de la technique, hein, donc ils aiment. Allez, c'est là. Accélère maintenant. Allez, c'est parti. Maintenant, tu vas le rattraper. Arrange.